Avant que le crépuscule ne tombe sur les dieux, une légende est née revendiquant sa place parmi eux. Et même si Kratos s'est emparé du trône en tant que nouveau dieu de la guerre, il est hanté par les visions de sa famille. Une famille qu'il a lui-même assassinée. Mais la mort n'a pas eu raison de lui. Les sœurs du destin n'ont pas pu le contrôler. Et aujourd'hui, l'homme, la légende, Kratos, aura sa revanche. Oh là 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 là. Eh bien, salut la VOD, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur God of War 3. Nous sommes, je le précise en avance, en émulation, évidemment, j'ai mis le jeu en 4K. Donc, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, c'est tout simplement la raison pour laquelle je fais comme ça. Et aussi, parce que j'ai pas de carte d'acquisition aussi, du coup, je peux pas trop le faire sur ma PS4 Pro. Écoutez, avant toute chose, je tiens à dire que évidemment nous avons fait tous les God of War dans notre chronologique à la suite, donc je vais récapituler, nous avons fait God of War Ascension, God of War Chains of Olympus, God of War 1, God of War Ghost of Sparta, God of War 2, et maintenant God of War 3, et oui, le voici. Donc si vous n'avez pas regardé les autres jeux dans l'ordre que je viens de le citer, bah sachez qu'il y a mes vidéos qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à regarder, bien sûr, donc partez tout de suite, hein. D'accord, voilà, bon, je rigole, bien sûr, mais faites-le, tout simplement. Et donc, après ce God of War 3, qu'est-ce qui reste? Bah, il en reste deux, à ce jour, God of War, le reboot de 2018, et Ragnarok, qui vient de sortir il y a deux jours, mon dieu, c'est dramatique. Donc voilà, je précise quand même qu'évidemment, parce qu'on manque totalement de respect à PlayStation, on est très talentueux, je joue donc avec une manette Xbox, hein, parce qu'ici on a pas le temps de niaiser, bon. Tout simplement. Donc on fait un petit tour dans les paramètres, 2 secondes, donc il y a bien les sous-titres, c'est délicieux,
L'audio, normalement, bon, il est à fond. Dolby Pro Logic 2. On est là pour la meilleure qualité, bien sûr. Et donc voilà. Bah écoutez, on va pouvoir y aller. Normalement, il n'y a pas de partie. Oh là là, vous avez vu quand même cette fin de transition de la cinématique. Je trouve ça incroyable comment ça s'est conclu et comment le menu il apparaît. C'est la meilleure apparition de menu de tous les temps. Donc voilà. Je tiens à rappeler quand même que je suis le plus grand fan interdimensionnel ou galactico-spatio-temporel de la licence God of War. Donc plus que moi en fait, ça n'existe, mais vraiment pas. N'oubliez pas, c'est très important. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Dernière chose, j'adore le fait qu'on entende la respiration de Kratos dans le menu. Mais c'est pas le premier God of War qui fait ça, c'est au moins le troisième, je crois, ou quatrième. Donc maintenant c'est bon. On peut y aller! Nouvelle partie! Alors évidemment, on va jouer en dieu. Est-ce que dieu, ça ne suffit pas? C'est la question qu'on se pose. Moi, je pense qu'être un dieu, c'est pas mal. Et puis surtout, j'aime bien jouer dans la difficulté que les développeurs l'ont prévu. Hein. Voilà. Alors, moi, il fut une époque où je jouais tout le temps dans les difficultés les plus dures, mais ça me plaisait bien. Et maintenant, j'aime bien jouer comme on est censé jouer. Hein. Voilà. Donc, dieu! Parce que je suis un dieu! Je vous l'ai toujours dit! Mais bon, vous me croyez pas. Allez. Ma vengeance s'achève. Mes frères, nous avons été forgés par la victoire. Une victoire qui a mis fin à la Grande Guerre et a marqué le début du règne du Mont Olympe. Né dans les profondeurs de l'enfer, enraciné dans la rivière des âmes, notre montagne a surgi du chaos. Et en s'élevant, la puissance des Olympiens a grandi avec elle. Nous avons créé un monde où règne la paix, un monde prospère, un monde qui vit dans l'ombre et la protection de ma montagne. Une montagne qui est devenue la mesure absolue du pouvoir et de la force. Maintenant, en ce jour, cette puissance doit être testée. Kratos, le mortel, cherche à détruire le monde que j'ai forgé. Mes frères, mettons de côté les différences insignifiantes qui nous divisent depuis si longtemps. Si nous nous unissons, si nous combattons ensemble, moi, je nous débarrasserai de ce fléau. Oui, de l'âme, un crâne. C'est de retour et je viens détruire l'Olympe. Oh oui. Les Titans perdront à nouveau. Wow, calmez-vous, Gaïa. Oh. Ah, ils sont complètement malades. Ok. Mon attaque préférée, évidemment. Attendez, j'ai envie de faire que ça en fait. En même temps, vous avez vu le nombre qu'ils sont. C'est la première fois dans un God of War, je crois qu'on voit autant d'ennemis en même temps. En fait, ce qui est bien dans les God of War récents, c'est que c'est un peu plus au goût du jour et en fait, les ennemis, ils ont trouvé un moyen de...
En fait, il y en a qui sont nuls, quoi. Dans les anciens modes de fond, ils sont tous un peu forts. Là, il y en a qui peuvent être nuls, du coup, ils en mettent 1000, et enfin, c'est cool aussi, ce truc. Le caillou en carton. Puissance démesurée, tout va bien. Que se passe-t-il? Mais non! Oh, waouh! Le théâtre, bien sûr, hein, puisque je connais par cœur le jeu. Non, en vrai, je me souviens plus de... Je me souviens juste du début, quoi. Mais tout le reste, je me souviens pas particulièrement. Alors, quand j'y serai, je vais, dans ma tête, je vais me dire « Ah bah oui, bien sûr !» Mais pour l'instant, je ne me rappelle de rien. Hein. À part la fin du jeu. Le début et la fin. Après, je me souviens du lore, effectivement. Le lore, il n'y aura aucune surprise. Je me souviens de tout. Mais ouais. Allez, on y va. Stylé. Mais il est malade. Waouh. Et donc là, je pense que quand il attaque, ce qu'il pourrait faire, c'est activer de la magie. J'arrive, mon gars. Et là, on peut pas faire de magie, évidemment, en prenant le plafond. Un peu déçu, hein, j'ai tenté. Hein. Enfin, en espérant que j'appuie sur la bonne touche, sinon, effectivement, ça va être compliqué. Oh là là, vous vous rendez compte, ces plans de caméra et tout, c'est dingue. C'est incroyable. C'est magnifique. Hey, j'ai esquivé! Waouh, le boss! J'ai senti que c'est une attaque différente, je me suis dit, ah, celle-là, c'est sûr, faut l'esquiver. Oh, je suis trop content. Oh, je continue de le défoncer, ça s'arrête jamais! Ah oui, là, faut que je fasse de la magie pendant qu'il attaque. Là, maintenant... Ah, ça, c'est pas la bonne touche. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là. Et ouais, dans tous les God of War, c'est différent, malheureusement. Ah bah... C'est tout le temps différent au niveau du pouvoir, donc... Ouais, là, j'y ai pensé. Hop, le premier rond de l'histoire. Tout va bien. Bah alors, on fait moi le malin maintenant qu'on a plus de d'armure, hein.